Après un certain temps, un groupe peut s'essouffler. Les participants s'impliquent moins, les projets se réunissent de moins en moins et ne produisent plus grand-chose. Alors comment faire pour redémarrer la machine? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment survivre à l'essoufflement du groupe. Il peut y avoir un essoufflement d'un projet en particulier de votre communauté ou un essoufflement général de la communauté. Si un projet s'essouffle, le mieux c'est de discuter avec le porteur de projet pour savoir s'il s'agit d'une difficulté dans l'animation du groupe par exemple, et dans ce cas vous pouvez lui donner quelques conseils, et en particulier le fait de mettre les éléments les plus intéressants d'une réunion sur un pad pour les capitaliser et produire progressivement les ressources qui montrent aux participants et aux autres membres de la communauté que le projet avance, comme nous l'avons vu dans quelques exemples de petits pas pour un projet. Alors, il peut aussi s'agir de l'animateur qui n'a plus le temps d'animer le projet ou qui se désintéresse. Et dans ce cas, il peut être intéressant de demander aux participants s'ils souhaitent continuer ou si l'un d'entre eux accepte de se charger de trouver une date et d'envoyer une invitation à l'ensemble de la communauté pour que le groupe puisse continuer. Mais peut-être que le projet a simplement terminé ce qu'il pouvait apporter aux participants. Alors dans ce cas, il est normal que le projet s'arrête. C'est le moment d'ailleurs d'essayer de capitaliser au mieux ce qui a été produit par les participants du projet lors des rencontres. Alors peut-on en extraire des notes de réunion, des informations utiles à tous sous la forme de foires aux questions ou alors de courtes fiches pratiques sur certains sujets précis pour ne pas rester simplement sur les comptes rendus mais vraiment avoir des choses très utiles. Et si des projets s'arrêtent, eh bien, il est important que de nouveaux projets émergent pour que la communauté de projets reste active sur la durée. Le meilleur moment pour faire émerger de nouveaux projets sont les rencontres régulières de la communauté qui réunit à la fois les participants de plusieurs projets, mais aussi d'autres membres de la communauté qui ne participent pas actuellement à un projet particulier. Alors, nous en avons parlé dans « À quoi servent les rencontres dans les grandes communautés ?» Mais peut-être est-ce la communauté qui s'essouffle et pas simplement un projet. Alors dans ce cas, nous allons devoir relancer l'ensemble. Tout d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'essouffle. Est-ce que c'est seulement les rencontres régulières de la communauté ou bien l'ensemble de la communauté et de tous les projets qui, en général, s'essoufflent? Alors, est-ce que les rencontres interprojets de la communauté rassemblent de moins en moins de membres alors que les projets continuent d'être actifs? Dans ce cas, il est important de montrer aux membres de la communauté ce qui a été produit par les différents projets pour éviter que la communauté ne se retrouve avec des silos, avec des projets qui travaillent sans échange entre eux et les autres membres de la communauté qui ne participent pas au projet et qui se sentent de moins en moins concernés par ce qui se passe. Alors, vous pouvez également ajouter à vos rencontres régulières interprojets de la communauté des moments de présentation, par exemple sur un thème spécifique, un petit peu comme si vous y intégrez une sorte de micro-projet qui durait juste, par exemple, 20 minutes à l'intérieur d'une seule rencontre interprojet de la communauté, avant de laisser ensuite le temps pour des échanges entre les participants pour le reste de la réunion. Une heure par mois, c'est une bonne durée pour une rencontre de communauté et vous pouvez aussi consacrer 20 minutes donc à une thématique particulière et le reste du temps pour les échanges afin que ceux qui se sentent moins concernés par le thème choisi cette fois-là eh bien, puissent tout de même y trouver leur intérêt. Et si votre communauté est très locale et elle a du mal à se rencontrer à distance dans une période de crise comme on est actuellement, eh bien, on peut ne plus se réunir en présentiel. Alors vous pouvez tester le forum ouvert mobile dont nous avons parlé récemment pour essayer de trouver des nouvelles façons de se réunir en présentiel malgré tout. Troisième cas de figure, tout s'est essoufflé. Alors, la communauté et la plupart des projets. Dans ce cas, vous allez devoir vous appuyer sur quelques personnes que vous allez sélectionner parmi ceux qui se sentent le plus concernés aujourd'hui encore par la communauté. Alors, identifiez entre deux et maximum une dizaine ou une douzaine de personnes en plus de vous, et proposez-leur de se réunir pour voir comment aider la communauté à redémarrer. Lors de cette rencontre, vous allez essayer de trouver des idées de projets très simples à mettre en œuvre que l'un ou l'autre pourrait lancer. Alors il peut s'agir d'une simple réunion ponctuelle d'un projet sur un thème donné, ou alors mieux d'une réunion mensuelle. C'est pas la peine de faire des projets très compliqués, mais une fois par mois, une heure par mois, eh bien ça permet vraiment d'avancer. Pas besoin de prévoir plein de temps en dehors des rencontres, surtout le porteur de projet potentiel, qui n'a probablement pas beaucoup de temps d'ailleurs, doit pouvoir faire tout en une heure ou en une heure par mois, à l'intérieur de la réunion. Et il va trouver un thème qui lui fera gagner beaucoup plus de temps que l'heure de la rencontre avec les autres personnes au sein du projet, grâce à des informations que les participants vont échanger ou alors mutualiser. Tout ce qu'il aura à faire en dehors de cette heure de rencontre pour ce projet, ça sera d'envoyer un message court à l'ensemble de la communauté pour l'inviter au jour et à l'heure prévue. Une fois que vous avez au moins deux ou trois premiers projets, même très très simples comme ça, avec votre petit groupe de personnes motivées, vous pouvez annoncer sur la liste la relance de la communauté afin de montrer à tous que l'on va passer dans un moment un petit peu particulier pour relancer le groupe, puis contacter quelques-uns de ces porteurs de projets chaque semaine pour leur proposer d'envoyer un mail d'invitation.
au bout de quelques semaines où des premières rencontres de projets ont eu lieu, eh bien, proposer de nouveau une rencontre interprojet, cette fois, pour l'ensemble de la communauté. Et vous pourrez simplement faire émerger peut-être de nouveaux projets maintenant que votre communauté a redémarré. Alors, on a déjà parlé de ce cas de figure dans 4 étapes pour redémarrer votre groupe. Alors, à vous de jouer. Votre groupe s'essouffle, mais qu'est-ce qui s'essouffle? Est-ce que c'est un des projets simplement? Est-ce que c'est les rencontres de la communauté qui permettent de faire le lien justement entre les projets et puis éviter qu'ils soient en silo? Ou bien c'est l'ensemble de la communauté des projets? Suivant le cas de figure, mettez en œuvre les solutions que je vous ai proposées pour retrouver un groupe actif. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.